Alors, premier essai de la GoPro 7 Black. Là, je suis en 2,7K, 50 images par seconde. Je suis passé par là parce que ça saute pas mal normalement. Des cailloux là-bas. Tu parles. Et on va aller voir à Fosse le tour des étangs. Putain, ça caille, hein. Hey. Et le vent en face ici. Les étangs, c'est juste de l'autre côté de la voie rapide là. Sauf que le pont, il est tout droit là-bas au fond. Rouler là, c'est plus facile. Ah, le rat. C'est plein de rats ici. De rats et de chats d'ailleurs. Alors, le pont est là, droit devant. Tu vois si on peut passer sur la plage. Suivant comment est la bande au bord de l'eau, ça roule ou pas. L'humide. À droite de la bandade, là, c'est même pas la peine. Et à gauche, on risque la flotte. Et bien, il n'y a pas grand monde, hein. Là, je suis à Fosse. Et le port droit devant. On s'entend, ça s'enfonce un peu quand même. Allez. Bonjour. Ah, le tour de l'étang. De l'estomac à Fosse. J'étais en pâle, donc à 50 images secondes. J'ai mis en NTSC pour voir. 60 images secondes. En Europe, c'est pâle, hein. Pas de soucis là-dessus. Mais il paraît que ça fait pas de différence. Pas si ça se voit, mais je roule penché à gauche. J'ai le vent qui vient comme ça. Ça bouge pas le robot. C'est pas ici qu'on va voir si la stabilisation fonctionne.
Aujourd'hui, il n'y a pas un oiseau, hein. Là, il y en a un. Vous allez voir comme ça décolle, ça. Hop, ça pédale dans l'eau. Je les aime pas, ceux-là. Et donc, il fatigue aussi avec le vent en face, lui. Hein. Il est toujours là. Je vais monter sur le plateau là-haut. Je suis passé par là pour voir un peu les couleurs, ce que ça dit. Sur le plateau, ça devrait plus secouer. Je vais prendre la rampe là. C'est le plus dur de la journée. Et au lieu de continuer le tour, hop, je coupe la colline. Ça va crever le petit raidillon là. Hein. Ah, ça secoue là. Allez, direction Plateau de Fosse et Castillon. Alors, du Plateau de Fosse. On domine l'étang de l'estomac qu'on a vu au début là. Là je suis juste au-dessus de l'étang de Lavalduc. Je vais vous montrer à la barrière là-bas. Voilà. Mince, il va falloir que je monte là-haut. C'est là Lavalduc. L'étang de Lavalduc.
tout à l'heure, je vais passer entre l'étang de la Val-Duc, celui-là, et l'étang de l'Engrenier, qui est sur Port de Boucle. Ouais, faudrait que je monte à la vigie, il y a une vigie là. On y verrait bien. On va prendre une petite dérivation. Ça sera bien plus simple avec votre vélo. Faut pas louper de virage ici. Par ailleurs d'ailleurs. Hein. Ah ben je vais laisser jusqu'au petit tunnel sous la voie ferrée. Et là ça se coupe par contre, hein. On verra bien ce que ça donne. Par contre, sous le tunnel, je vais me baisser, il y a de fortes chances que l'image disparaisse quand même. Eh ben. Mais à gauche. Le but, c'est de ne pas mettre les mains et de ne pas se cogner la tête. Parce que je suis bien baissé là. Hein. Ça me fait penser qu'avec la flotte qu'il a fait, ça va être pourri. Marqué, on a eu du bon mistral. Ça a peut-être séché, j'espère. Surtout dans le trou là, droit devant. Ouais, ça a l'air sec. Ouais, vous avez bien un peu la gueule que ça a à gauche. Alors, en sortant du tunnel, vous avez pu apercevoir l'étang de l'Engrenier. Et maintenant, je vais passer entre les deux, la Val-Duc et l'Engrenier. Voilà. C'est ici que ça se passe. Et en face, Castillon. Ah, l'eau elle est loin, elle est là-bas. Et remonter sur le plateau de Castillon. Et la route qui mène à la maison là. Et avant ça. On va s'arrêter voir l'étang du Pourras. Ça fait 2 ans qu'il était à sec. Et là, petit à petit, avec les grosses pluies qu'il y a eu, c'est pas mal rempli. Il y a une source qui l'alimente, mais pas assez. Et l'été, l'évaporation est plus rapide que ce que ça remplit. Alors, on devrait être pas mal là. Oui, il est presque au niveau normal quasiment. Il n'y a toujours pas d'oiseaux. Il y en a là-bas au fond. Loin, loin. Voilà. Je vais prendre la route pour rentrer doucement. Cette fois, je vais pas dans le dos tout le long. Ça sera bien meilleur.
Bon, on va aller développer tout ça pour voir un peu. Bon, il y a que deux séries là, hein, donc 2,7K, 50 images par seconde et 60 images par seconde en 16/9 Super View. À retenir. Allez, une dernière. Pour voir l'état de l'entrée de Castillon là, du domaine. Avant, c'était une forêt là. Et deux arbres. Vous pouvez regarder les anciennes vidéos sur Castillon, on le voit bien. Et là, ils viennent juste de finir de nettoyer, il reste que les merdes de branches. Voilà.